Et salut tout le monde, c'est Jonathan, apprenti jardinier. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous le cache pas, là, l'heure qu'il est, je suis très fatigué. Je me suis levé un peu plus tard que d'habitude, mais ça n'empêche pas. Je sais pas si vous le voyez, il y a ceci, ma piscine. Donc, hier, j'ai passé ma journée de 7h30 à 22h30. J'ai passé ma journée à préparer cette piscine, à aller chercher un peu plus de 2 tonnes de sable qu'il a fallu vider ailleurs. Il a fallu ensuite préparer le terrain, ramener le sable à nouveau, donc j'étais seul. Et ici, là, vous voyez autre chose qui se prépare. Donc, sous une quarantaine de degrés, maintenant que j'ai terminé et que la piscine est en eau, il fait un temps gris, il fait bien meilleur. Bon, j'ai pas de chance, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, je me suis fait dévorer, alors je sais pas si on va le voir à la caméra, je me suis fait dévorer par des moustiques. Je suis allergique aux piqûres d'insectes, du coup, ça m'a fait une réaction allergique, c'est pareil, je sais pas trop si on va le voir, ça commence à passer. Une réaction allergique ici, je me suis fait piquer par une bestiole, ça me fait horriblement mal. J'ai vraiment pas de chance, j'en ai marre. Donc aujourd'hui, pas de vidéo particulière sur le potager, je suis vraiment fatigué. Par contre, une vidéo toute particulière pour vous remercier à tous. On est actuellement 1000 sur la chaîne, un peu plus maintenant, on devrait pas être très loin des 1100. Donc merci, merci à vous tous, aussi bien les habitués qui commentent que les gens de passage. Merci à vous, merci aux autres youtubeurs, hein. On commence à être une petite famille. Il faut savoir qu'on se parle en privé entre nous et c'est une véritable petite famille. Il y a le papa, devinez qui est qui. Il y a le papa qui est là, qui est posé, qui essaie de calmer un petit peu tout le monde. Il n'y a pas de maman. Il n'y a pas de maman. La personne que j'imaginais être la maman n'est pas du tout celle que je pensais. Dites-moi si vous devinez qui est qui. Ensuite, on a les enfants dissipés. Et étrangement, la maman en question est une enfant. Toujours à dire des bêtises et à foutre un petit peu la zizanie, on va dire. Qu'est-ce qu'on a? On a le tonton. Le tonton, vous savez, celui qui est posé. Qui est calme, tout ça. On a aussi le tonton qui vous apprend toujours des conneries. Donc ça, on a papy Bougon. Alors, je pense que vous devinez un petit peu qui est qui. Mais bon, bref, c'est pas trop le sujet de la vidéo. On est là pour parler des 1000 abonnés. Donc, qu'est-ce qu'il y a à gagner pour les 1000 abonnés? Parce que oui, je fais un jeu concours, hein. Vous savez, toujours très original, hein. Jeu concours, on va gagner des graines. Donc, là où elle est l'originalité, c'est que je vais pas vous faire gagner des graines que je vais choisir et que je vais un petit peu vous imposer. Je me suis dit que ce serait un peu plus sympa de vous laisser choisir vos propres graines. Donc le cadeau, c'est quoi? Je vous laisse choisir 3 sachets de graines sur le site Cocopelli. Pourquoi je fais ça? Parce que si je vous fais gagner des graines et que je vous fais un petit peu choisir, je sais pertinemment que des gens vont venir me dire: voilà, je veux une variété de tomates, je veux par exemple une courge du Pérouse. Le mec, il va me sortir une variété introuvable. Donc, au moins sur Cocopelli, je vous laisse choisir 3 sachets de graines que je vous enverrai. Enfin, je ferai livrer directement à votre adresse. Pour ça, il faudra me joindre sur Facebook, mais bon, de toute façon, j'annoncerai le gagnant et les modalités. Donc, la question est simple. Le 28 juin, c'était mon anniversaire, même si j'en ai très peu parlé. Même les gens me souhaitaient joyeux anniversaire, mais moi j'oubliais que c'était mon anniversaire. C'est pas le sujet. Le 28 juin, c'était mon anniversaire. Ce que je vous propose, c'est de répondre à une question simple. Quelle est mon année de naissance? Voilà, c'est tout. Si vous voulez le savoir, il y a... Ouais, j'allais dire la vidéo présentation, mais bon, j'étais pas très équipé pour la vidéo présentation. D'ailleurs, première vidéo, j'étais au fin fond du jardin, là-bas, j'étais caché. Donc, personne ne me connaissait encore, même ma copine ne savait pas que je filmais tout ça. Mais bon, bref. Peut-être dans cette vidéo-là, il y aura des infos, même si la qualité du son n'est pas top top. Il est même nul à chier, j'irai. Mais voilà, vous saurez certainement, ou alors vous le tentez au pif. Donc voilà, quelle est mon année de naissance? Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et je vous laisse une petite semaine. Donc là, on est dimanche. Dimanche prochain, je donnerai les résultats.
Encore une fois, désolé pour la fatigue, mais je suis vraiment KO. C'est vraiment un truc de fou. Donc aujourd'hui, ça va être journée au repos. Je vais rien faire. Regardez les vidéos de mes collègues youtubeurs, puisque j'ai pris un petit peu de retard. Et écoutez, voilà, je vous souhaite bonne chance. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.